Bonsoir à tous, Nancy Aguilon, cofondatrice et PDG de Bimper. Donc, je voudrais, avant de commencer, vous poser une petite question pour que vous réfléchissiez juste 5 secondes au nombre de pneus et de roues que vous avez à la maison. Entre votre vélo, vos motos, automobiles, etc., combien de roues vous avez à la maison et quels sont les systèmes existants pour les gonfler ? Donc la roue, en fait, a été une évolution dans l'histoire de l'humanité, mais au niveau des systèmes de gonflage, on est un petit peu bloqué. Pourquoi je m'explique ? Parce que là où il fallait en fait une pompe à main, une pompe à pied, une pompe amortisseur, des cartouches de CO2 qu'on jette à une seule utilisation, un compresseur ou encore aller à la station essence pour gonfler ses pneus de voiture, aujourd'hui, on a Bimper. Bimper, c'est quoi ? En fait, nous avons développé la première capsule d'air comprimé, haute pression, nomade et rechargeable, qui vous permet en fait tout simplement de gonfler en appuyant sur un bouton, en un clic, quelques secondes et sans aucun effort. Voilà, donc vous avez une capsule pour gonfler vos pneus, fourches, amortisseurs de vélo, tubeless, régler la pression de vos pneus de roue, de moto pardon, ou de voiture, un seul objet unique pour pouvoir vous charger de l'ensemble de ces fonctionnalités. Cette capsule est ensuite rechargeable. Donc ça, c'est la deuxième partie de notre innovation, c'est qu'on a réussi en fait à miniaturiser un compresseur haute pression. Ce compresseur, qui fait 400 grammes, peut nous porter à 50 barres de pression. Donc il permet de mettre 50 barres de pression dans la capsule en seulement 5 minutes lorsqu'on lui donne l'énergie pour le faire. Et donc là, on a deux possibilités pour ça. La première idée, c'est d'utiliser l'énergie du vélo. Ben oui, on s'est dit, le vélo crée de l'énergie, il a besoin d'air. Pourquoi on n'utiliserait pas cette énergie pour produire de l'air ? Donc concrètement, on a un système qu'on pose sur la roue avant. 5 minutes de pédalage, je recharge ma capsule autant de fois que souhaité. Le premier vélo qui produit l'air dont il a besoin. Deuxième possibilité, simplement un chargeur électrique qui vous permet de la recharger sur la prise allume-cigare 12 volts ou à la maison. Mais ce n'est pas tout. La capsule Bimper, là on vient de parler d'air, elle peut aussi contenir en fait du CO2 ou de l'azote. Et ça c'est un troisième modèle qu'on est en train de développer, c'est-à-dire sous forme de station de remplissage, de transfert de gaz qu'on souhaite implanter dans des magasins, donc des magasins de vélo par exemple, des magasins de moto, encore les stations essence ou ce genre de choses, pour que la personne, le client, puisse acheter une capsule et venir, lorsqu'il l'a utilisée, la recharger sur ses points de vente. 15 secondes. Nous sommes une entreprise donc, basée à Béziers, 2,3 millions d'euros de capital. Nous sommes 8 salariés et aujourd'hui nous cherchons des possibilités partenariats commerciaux, financiers, techniques, parce que vous le comprenez, c'est une technologie véritablement de rupture et nous pensons qu'il y a de nombreuses applications possibles. Donc voilà, à votre disposition pour en discuter. Merci. Merci beaucoup, bravo.